Salut tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur héros et généraux. On est parti sur une nouvelle partie justement. Je vais jouer en fantassin. Ils ont des aviateurs, nous n'en avons pas. Ils ont des parachutistes, nous n'en avons pas. Ils n'ont pas d'avion à parachutiste de toute façon. Ah oui, c'est moi, je n'ai pas pris de dégâts de chute, c'est pas un souci. Aïe aïe. Bonjour toi, ça commence sur les chapeaux de roue. Il nous faut Détroit. Pas la ville, enfin le point de... Vous avez pigé. Ben, je crois qu'on va simplement y aller. Non, c'est pour nous. Enfin, c'est sur nous que ça capture. Cours, cours, cours. Ah, trop tard. Je me suis fait avoir par un parachutiste. Hop, on descend là. Merci. Là, il y a un mec. Non, mais c'est... Oh là! C'est incroyable, j'ai pris du temps avant de le tuer. Du coup, il y a son copain qui m'en a tout de suite voulu. C'est bien, mais alors c'est... Pas vraiment utile ce truc là. Il veut pas monter. Ah, il va utiliser la défense anti-aérienne. Bon plan. On va essayer de reprendre D2. On a encore du monde à D3. Une personne. Bon. Ah, il y a un mec là. Hop. On va prendre le scru meilleur plutôt. Là, ils sont proches. Oh! Il était de l'autre côté du mur, je crois. Ouais, c'est quand même un peu plus proche du point, mais bon. C'est vrai que si on s'était collé au point lorsqu'on... Enfin, si on se met à perdre le point, on sera bien embêté. Moi, je dis, on va contourner. Toi là, ouais. Bon, je l'ai ping, mais je l'ai pas tué. What? C'est quoi ce truc? Ah si, c'est bien l'arme anti-véhicule. Va plutôt utiliser notre arme à nous. Même si c'est vrai que si j'arrive à one-shot un véhicule, on est bien. Aïe aïe aïe. Je me doutais que lui il allait venir. J'ai pas été assez préventif. On va s'arrêter là, nous. J'espère que mon pote l'a terminé. J'aurais peut-être dû courir là. Plutôt que de tenter au petit pistolet. Alors, je vais tenter de défendre d'un peu plus loin, moi.
Y a un parachutiste. Une mitrailleuse lourde. Ah! Il a l'air bien ce spot. Aïe aïe. Oi oi. Faudrait que j'arrive à me recacher. Il y a des gens super loin. Il y a des gens beaucoup plus proches. Oh, tire dans la tête. Oh là là. Il y en a qui ont de ses chances. Ce que j'ai remarqué de très impressionnant, je vous montrerai si jamais ça se produit, c'est les flammes de lance-flammes qu'on voit sur la carte. Bon, ok, c'est fini. Il y en a un là-bas. Ok. Je vais me soigner d'abord. Un avion adverse. Ok. Je vois personne. On a un allié qui visiblement a réussi à capturer le... Enfin, leur mettre suffisamment la pression pour qu'il se replie. On était trop près pour moi, je pense. Ça n'a pas été vraiment à mon avantage. Et il avait le bonus résistance aux dégâts, comme beaucoup trop de gens. Oh oh. Je sais que j'étais un peu au milieu du chemin, mais quand même... Je peux pas monter. Alors c'est vrai que gagner 30 mètres à pied, c'est toujours ça. Même si quand il y a des ennemis dans le point, on peut pas l'utiliser. Donc c'est pas si génial, mais... On va miser sur le fait que je rencontre personne. Le temps que mon arme se recharge. Il y a moins de monde de ce côté-là de la route. Probablement parce qu'elle fait un angle dans l'autre sens. Enfin, ici c'est l'angle obtus et de l'autre côté c'est l'angle aigu. Donc, les gens ont tendance à couper. Je le vois plus. Il est où, il est où? Il est là. Hop, nickel. Là je vous ai vu que j'ai fait bien attention. À viser la tête. Oh, c'est trop capricieux ce truc. Hop, à terre. Peut-être très bien de proche, mais de loin, je pense que mon fusil est mieux. Oh non, je l'ai pas vu. On peut pas y respawn pour l'instant. J'ai des alliés qui ont abandonné la partie. Ça, c'est un méchant, non? Hop là. Je méfiais des avions qui pourraient lâcher une petite bombe. Il y a du monde là.
Aïe. J'ai même pas eu le temps de tirer. Bon, je préfère Schumacher parce que c'est super facile de trouver une arme par terre pour tirer au corps à corps, mais une arme de distance comme celle-là, j'en vois pas beaucoup. À prendre le véhicule. On est en train de capturer, si ça se trouve, je peux aider. Oh non, une mine. J'avais pas prévu ça. Bon. Je suis content d'avoir sauté dessus alors que j'étais tout seul dans un véhicule tout pourri plutôt que à 4 dans, enfin, on va dire à 6 dans un véhicule de ralliement. Ça aurait été vraiment embêtant dans ce cas-là, mais. Bonjour toi. Attendez. Hop là. Encore un. Peut-être se faire brûler par le lance-flamme. Ah, encore un. Oh là là. J'aurais jamais eu le temps de recharger. J'ai récupéré mon arme. Qui a comme gros distinguo que je peux pas la garder tout le temps facilement si j'essaie de changer d'arme. Mais les balles sont gratuites. Alors je me dis autant profiter. Pas encore un qui veut pop. On va le déverrouiller, on va pas laisser ça là. Heureusement qu'on peut trifouiller les fils du moteur pour débloquer l'engin de l'extérieur et tout. Sinon ça coûterait plus cher en bombe. Le truc un peu embêtant c'est que mon pack craquait le véhicule et après le quitter de façon discrète. Parce qu'il fait vroom 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 vroom. Aïe aïe aïe. Oh, trop tard. Je l'avais perdu de vue dans les buissons. Lui, il m'a pas perdu de vue. Bon. J'ai pété un AVP, un APC plutôt. On n'en a pas d'ailleurs, nous. Ça aide pas. Je trouve que parmi les véhicules de l'infanterie, c'est vraiment ceux qui peuvent faire la différence ou pas. Bon, quand on n'a pas de véhicule du tout, c'est quand même vachement dur, mais. Oh non, on est en train de perdre. Reprends-toi, toi. Allez, montrez-vous. Oh là 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 là. Vite, vite, vite. Oh non, bon sang, je tirais deux fois à côté et je me suis trop avancé. Je sens que ça va être une défaite. Sauf si on sauve la mise, mais. Il y a l'avion pour nous pourrir la vie en plus. Qu'est-ce qu'ils font? Sortez et allez défendre. Ah, ils pensaient qu'on avait perdu, peut-être. Mais non, c'est pas encore perdu. Alors, je vais avoir par la bombe. Ah mince, j'ai du temps avant de me déployer. Ah, hop. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis.